Salut Nico, ça va? J'ai eu un petit peu de mal à me connecter, je sais pas pourquoi, ça a merdé. Non, ça y est, tu l'as chopé. Ah bah c'est cool ça, enfin c'est cool. Si ça va, tu vas avoir... Tu vas être tranquille. Non, c'est les vieux maintenant qui le refilent. Salut les Paul. Est-ce que tu as eu, tu m'avais posé une question dans la communauté des libérateurs de musique sur les plugins achetés. Est-ce que ma réponse t'a convenu? Est-ce que tu as commencé déjà par regarder un petit peu les plugins que tu avais dans ton dos? Donc je ne sais plus quel dos tu as, mais bon, voilà. Est-ce que tu avais eu la réponse que je t'avais faite l'espoir? Salut tout ce qui est juste. Comment ça va depuis la dernière fois? A chopé le Covid par sa grand-mère, comme quoi les vieux, hein, faut s'en méfier. Et alors que ça donne quoi le console 7 sur ton mix? Salut Daryl! T'as vu un peu, ouais, c'est bluffant. Console 7, donc c'est un plugin qui est gratuit. Donc il y a deux plugins, il y en a un que vous mettez sur les tranches, les pistes individuelles, puis il y en a un que vous mettez sur les bus, et ça ramène un petit côté ouais, organique. Qui est assez plaisant. Et là, je l'utilisais avec Nico dans le cadre d'un cours de mix. Et puis, j'ai utilisé ce matin avec une autre personne. David, je sais pas s'il va être là ce soir. Voilà. Donc, lui, il l'a intégré dans son processus. Et ça marche plutôt super bien. Alors, moi, comme j'expliquais, je l'ai pas utilisé parce que j'avais déjà mis en place dans ma template, hein, comment ça s'appelle, un espèce de summing. Type console, type analogique. Donc en fait, de rajouter, ça faisait trop quoi. Voilà, ça finissait par faire trop. Et puis je voulais pas retirer ce que j'avais fait puisque voilà, c'était quelque chose
j'ai bien l'habitude, mais pour un plugin qui est gratuit, qui est super simple à utiliser, parce que vous avez qu'à l'ouvrir, quoi, et puis il n'y a rien à régler, enfin vous avez un bouton volume, mais je vous déconseille trop d'y toucher, c'est super bien, quoi. Ouais, bah, la valeur par défaut, je crois que normalement, si tu cliques sur le truc, tu peux taper un chiffre, quoi, hein, de mémoire. Parce que je l'avais fait, moi j'avais aussi, forcément, il y avait un slider, donc j'avais tripoté le truc, et puis remis les trucs comme ça. Est-ce que la connexion est bonne ce soir? Parce que je suis donc en filaire, mais j'ai l'impression que j'ai une connexion. Ah merde, ça marche pas. Bon. Ah merde, c'est pas terrible. Bon bah. Là, je sais pas quoi faire parce que moi je suis connecté à la fibre en direct. C'est un delay. J'aime bien avoir un petit delay. Dans le bon, si ça craque, attendez, je vais essayer voir si si je coupe ça, est-ce que ça va être mieux? Ah, alors on me dit que le live est pas alors. Alors. Bon, les amis, est-ce que vous avez des questions ce soir? J'ai l'impression que ça va être. Oh, ça va ramer la connexion. Alors, excellente question, Daryl. Alors, ton process analogue, tu le mets sur chaque... Alors, je le mets sur un sur chaque piste et deux sur chaque bus parce que j'utilise beaucoup la SSL de chez Brainworks qui ne prend pas énormément de ressources et qui permet vraiment d'avoir, si tu le mets sur toutes les pistes et la SSL sur les bus, en changeant le alors, je ne sais pas si... Eh ben, attends, tu vas peut-être le voir là. Hop, voilà. Là, on a le TMT qui permet de changer en fait les numéros de tranches de console. Donc en fait, si tu changes à chaque fois sur chaque piste et sur chaque bus les chiffres, en fait, ça rajoute ça rajoute un côté analogique puisqu'on n'a pas exactement la même chose, la même distorsion, les mêmes trucs dans chaque piste. Donc en fait, ça permet de rajouter ce côté ultra analogue grâce à la Brainworks. Parce que chaque piste n'est pas traitée de la même manière. Voilà, ça, c'est l'intérêt du TMT sur les Brainworks. C'est, on retrouve, sur une console, tu as X fois la même tranche, mais elle est électriquement, il ne se passe pas exactement la même chose dedans. Et cette petite différence fait ce son analogique et fait ce côté qui élimine un peu les phases, puisque on n'a pas X fois la même chose. Voilà, donc ça, c'est moi comme ça que je fais mon process, on va dire, un peu analogique. Et donc, la console 7 reproduit un petit peu ce truc-là. Mais moi, comme je le dis, comme j'ai déjà la Brainworks sur tous mes trucs, et puis
sur mes... salut Alex. Sur déjà pas mal de bus, j'ai ce système-là. Donc en fait, moi, la console 7, ça faisait trop, quoi. Ça étouffait le mix et ça la rendait trop analogique, on va dire. Donc, mais le principe, ouais, d'Arif, c'est ça. C'est que chaque piste, tu as... en tout cas, moi, j'utilise quasiment sur chaque piste la SSL, ce qui me permet d'avoir vraiment comme une console avec quel que soit l'instru que j'ai dessus, j'ai ça. Et si j'ai besoin vraiment d'amener une couleur différente, eh bien, je retravaille avec autre chose. Mais j'utilise ça puisque la SSL de chez Brainworks n'a pas de latence et au final prend très peu de ressources. Donc, même si on n'a pas une grosse bécane, eh bien, ça permet quand même de tourner. Ouais, j'ai eu White tout à l'heure, je savais qu'il pouvait pas venir. Bien sûr, tout ce qu'il use, vas-y, dis du mal. Si t'as un avis qui est contraire au mien, bien entendu, il n'y a aucun souci, quoi. Et dans le côté EHPAD, j'en fais une demain. J'ai tourné aujourd'hui, que je vais monter demain et que je pense que je vais poster demain. Voilà, donc salut Majordome. Excellente question. Combien ça coûte de monter un studio professionnel de mixage? Alors, il n'y a pas de prix, quoi. T'as des gens qui mixent avec un laptop et un casque et qui font d'excellents mix. T'as des gens qui ont des énormes studios et qui font aussi d'excellents mix ou des mauvais mix, comme des gens qui mixent sur un laptop et qui font de la merde. Enfin voilà, donc je dirais aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas de règles. En fait, c'est le matériel qui te convient, qui te permet de bosser. Coucou, papa. Coucou, mon grand. Et donc, c'est ça, en fait, le truc qui te permet de bosser. Donc, en fait, je dirais, ça peut, pour 2-3 000 euros, bah, tu peux avoir... Tu peux te faire un studio dédié au mix, tu vois, si tu utilises un casque, bah moi j'utilise le Holo, tu peux mixer, faire tes masters avec ça, voilà, c'est un casque qui coûte 400 euros. Va voir maman, si tu veux maman, va voir maman. D'accord. Et donc, t'es pas obligé d'avoir des enceintes de monitoring à 20 millions de dollars et ce genre de choses. Donc, aujourd'hui, il n'y a plus de règles, voilà. Moi, en tout cas, ce que je montre dans l'ensemble de mes vidéos, c'est que la seule règle, c'est de savoir ce qu'on fait au final. Et après, avec un Cubase, avec un Pro Tools, avec un Studio One, bref, avec n'importe quel DAW, tu peux vraiment, si tu viens, si tu bosses, tu bosses, tu bosses, bah, tu peux te monter ton studio de mixage. Donc, quelque part, il n'y a pas de... c'est plus le matériel aujourd'hui qui rentre en compte, c'est les oreilles de la personne qui mixe. Voilà, donc c'est le savoir-faire. Et voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, mais... aujourd'hui, vraiment avec un investissement vraiment minimum, tu peux vraiment faire beaucoup de choses. Ce qui est très important, c'est l'ordinateur, parce que l'ordinateur, les ressources que vont avoir ton ordinateur va te permettre plus ou moins d'avoir des sessions de mix qui vont être importantes avec beaucoup de plugs. Si tu prends par exemple un satellite Universal Audio, si tu prends ce genre de choses, tu veux partir? Et ça, c'est le truc qui est vraiment important, c'est l'ordinateur. Après, une petite interface audio peut convenir. Après, voilà, des enceintes, il y en a qui mixent sur des NS10. Voilà, une NS10, c'est quand même des enceintes... moi, j'ai des NS10, c'est quand même des enceintes, à la base, un peu bas de gamme, quoi, qui ne sont pas super hi-fi. Mais par contre, quand tu es habitué à bosser sur des NS10, eh bien, tu as tes repères, et donc tu peux avancer comme ça. Moi, maintenant, je travaille avec le casque Holo. Voilà, donc je fais tout avec. Et donc voilà un petit peu pour répondre à ta question. Donc, je te dirais, ça peut aller de 1000 euros à nos limites. J'ai testé le NASH RuleTech Heritage et bien comparé au PubTech de chez Wave, il y a un gouffre. Et en effet, et ouais, moi, je ne suis pas encore rentré trop dedans. Il est là. Je commence à travailler un petit peu avec, mais c'est vraiment un NASH
Il y a vraiment des super plugins. Il y a toute une autre série aussi que je voulais vous montrer. Je commence un petit peu à découvrir. Donc, c'est la série des. Ils ont une Frozen Verb qui a 30 balles, qui sonne monstrueuse. Ils ont un delay, qui est l'action delay, qui est pareil, qui est mortel. Voilà. Donc, il y a tout un tas de plugs en plus. Alors, ils vendent ça après aussi en bundle. Mais voilà, c'est super bien. Et moi, je suis en train vraiment de découvrir Noza H, qui est en train de rentrer notamment les delays et les reverbs dans mes templates, parce que ça sonne super bien. Il y a des réglages qui sont vraiment très malins. Et voilà, je trouve que là-dessus, ils ont fait un truc qui était super bien. Je ne sais pas si je t'ai dit bonjour, Lutinbert, mais hop, tu veux y aller? Tu veux retourner voir les copines? Non? Bon. Alors, non, je suis d'accord avec toi, en fait, mais j'ai eu plein de débats avec du monde sur ce qui est vieux et ce qui ne l'est pas ou ne le sera jamais. Je repense à la vidéo de Groland sur les punks de la maison de retraite. Ouais, exact. J'avais moi reposté aussi. Question. Le punk sera-t-il un jour une musique de vieux ou est-ce que ça restera éternellement une musique de con de jeune? Excellente question, tout ce qui dus. En tant que vieux con, je peux peut-être apporter une réponse. C'est-à-dire que je pense que, tu sais, ce qui est vieux finit par redevenir jeune, je pense, dans les années 2000. Moi, je me souviens de ça parce que à l'époque, donc, j'avais le label et j'avais Enhancer, donc c'était la pleine période du no metal qui était considérée comme vraiment la musique de jeune. Et puis, quand tu écoutais, du Dire Straits, par exemple, bah, tu étais un vieux ringard, tu étais un vieux has-been. Et puis, en 2003, il y a eu le premier album des Strokes. Et qui, là, pour le coup, vraiment, ils ont fait d'une musique de vieux, ils en ont fait une musique de jeune. Donc, en fait, tout est un éternel recommencement. Et à tout à l'heure, mon grand. Tout est un éternel recommencement. Et donc, c'est pour ça que le débat est un petit peu vraiment bizarre. Et je trouve que ce qui était intéressant dans cet article, c'était de montrer au final que, en fait, tout ce qu'on nous vend, la musique moderne, tout ce qu'on nous dit, que c'est ça qu'on écoute, eh bien non, en fait. Moi, j'avais déjà vu un article sur les playlists, notamment metal, de Spotify en 2014 ou 2015, et c'était le gros, je dirais, du volume. C'était le gros du volume. Mais comme j'ai expliqué dans une vidéo, voilà, ils vont aussi comptabiliser dans les rémunérations, eh bien, pas forcément ce genre de choses, mais tout ce qui est en haut de certaines playlists, tout ça, voilà. Donc, il y a une petite nébuleuse. Ce qui est clair, c'est que tout ça est bien phagocyté aussi par les maisons de disques, et ça arrange tout le monde, puisque ça permet de noyer un petit peu le poisson dans les redevances pour les artistes. Voilà, donc, musique de vieux, musique de jeune, ça, tout ça, ça évolue, et ça n'a, c'est un débat, tout ce qui est vieux va revenir un peu à la mode, et voilà. Salut Baba Orom, les héritages Nose H et la console 533. T'as vu la console 533, comment elle sonne? Elle est mortelle. Je commence à l'utiliser moi en mastering parce qu'elle est tellement précise que ouais, je trouve que c'est une super console. Sinon, j'ai testé les Tone Empire et surtout le Raylight Pro. Les deux Studer sonnent top sur le Master Bus. J'ai préféré le C pour mon dernier mix. Ramène plus de bas. Alors, le Relight Pro, j'adore. Tone Empire, je trouve qu'ils font des super plugins. J'ai pas aimé le dernier qu'ils ont sorti, donc le Fairchild. Ouais, c'est le Fairchild. Le Firechild, ils l'ont appelé. Je l'ai pas aimé. Bref. Par contre, le Relight Pro est super bien. Moi, je l'ai pas mis sur le Master Bus parce que je trouve que pour le coup, il colore vachement. Et c'est pas ce que moi, je cherchais. Maintenant, voilà, pourquoi pas. C'est vrai que tu as du Studer. Moi, je sais que sur mon Master Bus, j'ai l'ATR-102 d'Universal Audio. Voilà, je l'ai depuis longtemps. C'est un plug que j'aime bien, qui fait partie du son que j'ai. Donc, bon, voilà, j'utilise que celui-ci. J'ai essayé, malgré tout, le Relight Pro pour voir s'il pouvait remplacer l'ATR-102. Je préfère encore l'ATR-102, qui maintenant, je suis habitué, en fait, à la couleur qu'il a et à la manière dont il fait ressortir les éléments. Donc voilà, donc j'ai pas changé, mais Tone Empire fait des super plugins qui sont un peu gourmands. Et puis je te conseille, salut mon grand, je te conseille d'essayer le Goliath.
le Goliath est absolument fantastique. C'est un espèce de plugin qui mélange une compression assez douce et une EQ assez douce aussi. Et tu peux régler dessus soit type Neve, soit type Tape, soit type Solid State, soit type... Il y en a un quatrième et je ne me souviens plus. Mais c'est un super plugin. Et Tone Empire fait des bundles à 90€ où tu as les trois plugins dedans. Donc, je te recommande d'aller faire un tour. Oui, comme tu dis, Toskidu, c'est du néo-vieux, quoi. Je trouve ta playlist. Je trouve les playlists Spotify naze. Ouais. Le shit est déjà bien avancé dans le mic quand je l'ai testé. À mettre. À tout à l'heure. Et il donne. Oui, alors par contre, tu vois, Daryl, le truc sur lequel il faut se méfier dans le mix, c'est quand tu mets un plugin qui n'est pas un boost de volume. Parce que si tu mets un boost de volume, tu as l'impression que ça sonne mieux. Mais en fait, c'est faux. C'est juste que tes oreilles sont trompées parce que tu as un volume qui est plus fort. Et ça, c'est la règle que j'explique dans toutes mes formations, que j'explique tout le temps. C'est que vous devez faire très attention quand vous utilisez, vous mettez un plugin. C'est pour ça notamment que j'aime pas les WAV. Parce que quand tu mets un plugin WAV, il y a quasiment 0,5 dB de plus. Et donc, dès l'instant où tu le mets, tu fais « Waouh, putain, ça sonne bien !» Alors que c'est juste ça sonne plus fort. Et ce qui sonne fort ne sonne pas plus bien. J'aime bien les Brainworks, les SSL 4000 de chez Brainworks, parce que quand tu le mets, tu as exactement le même volume. Tu n'as pas de rajout de volume. Voilà. Chez Universal Audio, pareil, toutes les, notamment les Nive, je ne les aime pas, parce que quand tu les mets, bing, c'est plus fort. Donc, ce n'est pas l'objectif. Donc, il faut avoir un level match obligatoire, comme dit Daryl, c'est super important. Eh bien oui, et ben en fait, tu vois, j'ai commencé à te répondre, mais je n'ai pas lu la suite. Désolé, pour la console 7, toutes les pistes, je ne sais pas comment faire un test AB avec et sans facilement. Bah écoute, Toskidus, en fait, c'est simple. Tu mets sur toutes tes pistes, tu sélectionnes, enfin en tout cas sur Cubase, tu sélectionnes toutes tes pistes, tu vas dans la mix console et tu as un bouton qui s'appelle Quick Link et en fait qui va te lier toutes les pistes et dès l'instant tu vas bypasser alors il faut qu'ils soient tous sur le même niveau en termes de sur les inserts et puis tu vas en bypasser un, ça va les bypasser tous. Donc comme ça, tu fais clac 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 et tu entends vraiment la différence de trucs. Alors attention, de mémoire, avec la console 7, la partie bus, le plugin bus est un petit peu plus fort et donc ramène un tout petit peu plus de volume, donc il peut t'induire en erreur, mais par contre, voilà, c'est plutôt c'est comme ça que ça va te permettre de voir avec et sans. Daryl teste le Goliath, sans déconner, le Goliath, moi je l'utilise sur des pianos, j'utilise sur des bus guitare, j'utilise pas pour des batteries, mais vraiment j'utilise sur plein de trucs. Et le Goliath, c'est vraiment, j'avais fait un bibi blabla dessus, si tu veux, tu peux aller voir. Je trouve que c'est vraiment dans les nouveaux plugins qui ne sont pas une reproduction de telle ou telle machine, je trouve que c'est un vrai bon plugin, vraiment comme le Relight Pro, parce qu'il a un vrai caractère, il est bien pensé, il a beaucoup de fonctions, tu peux vraiment jouer sur le niveau d'EQ global que tu envoies dans le plugin, tu as un drive qui permet de saturer l'ensemble, tu as un coupe bas, bref, les Tone Empire, les plugins Tone Empire sont plutôt bien faits. Écoute, Babaron, sincèrement, tu vas voir la 533 est vraiment... vraiment, je trouve qu'on a le côté R&D, Rupert Neve Design, c'est-à-dire des produits assez transparents, mais avec vraiment beaucoup de précision sur la R&D. Ce qui est incroyable, c'est que tu vas mettre 0,2, 0,3 dB et tout de suite, il se passe quelque chose et tout de suite, c'est... Donc, c'est vraiment une EQ un peu plus chirurgicale que l'ensemble de la collection où, bon, là, c'est du 1073, 1080, 1084, bref, où tu as vraiment quelque chose quand tu peux pousser et là, pour ajouter vraiment de la couleur, la 533 vraiment permet d'y aller vraiment doucement et super, super fin, quoi.
Ok. Bon, en tout cas, Baba Ram, je suis content. Si jamais. Enfin, ouais, je suis content parce que, sincèrement, Nozache, moi, là, en ce moment, je suis en train de filer des cours. Je le recommande. C'est un plug que je recommande parce que, un, ça fait partie des petits éditeurs. Moi, j'aime bien les petits éditeurs, surtout quand ils font des plugins qui sont largement meilleurs que les grosses cavaleries type Wave, type Universal Audio. Donc, là, pour le coup, pour avoir essayé les Universal Audio, les 1080, 1073, tout ça, j'ai jamais trouvé qu'elles sonnaient bien. Et là, t'as un truc. Et en plus, la matrice mid-side et tout ça est vraiment, vraiment, vraiment bien, quoi. Donc, c'est un super plug. Écoute, Cerber, ouais, il est, comme tu dis, il est surprenant. En fait, cet album-là, j'ai écouté qu'une fois ou deux. Je suis pas trop rentré dedans. En fait, j'ai trouvé ça marrant, mais bon, voilà quoi. Bon, moi, je suis pas. C'est vrai que je suis pas rentré dedans. En fait, tu es en train de me faire penser que je devrais peut-être écouter ça parce que c'était pas mal. Non, c'est le dernier Foo Fighters, pareil que j'ai écouté et j'ai pas pris le temps de rentrer dedans. Pourtant, j'aime bien les Foo Fighters. Je suis un peu passé à côté. Et ouais. Bah, tu sais, Babarom, regarde, parce qu'il y a un bundle où tu as tout pour 130 balles. Donc, si jamais tu es intéressé, peut-être que tu peux prendre le bundle. Peut-être ça te coûtera moins cher. Non, dans Frequency, je ne mets pas tout ce que je peux en linéaire. Salut, Eric. En fait, je fais le test. Ça dépend des. En fait, ça dépend. Des types d'EQ que je fais, type de process que je fais sur chaque bande. Et en fonction du truc, je vais tester le linéaire pour voir si ça amène quelque chose ou si ça évite des phases. Mais bien souvent, voilà, je ne l'utilise pas forcément. Voilà, je l'utilise pas forcément. Donc voilà. La frequency EQ est vraiment pas mal. C'est une bonne EQ comme ça. Elle est. Nico qui travaille beaucoup avec la Procu, elle n'a pas le niveau de la Procu, clairement, mais voilà, donc c'est une bonne. Tu vois, moi aujourd'hui, sur le cours de mix, j'avais un souci sur la voix, parce que la voix avait été enregistrée avec un micro un peu cheapos, tu vois, donc j'avais des x comme ça qui revenaient souvent, et j'ai mis un DSR, mais ça ne faisait pas le job, et donc j'ai pris la fréquence EQ. J'ai été sélectionné la fréquence qui m'emmerdait et j'ai mis la fréquence EQ en mode dynamique et ça m'a permis vraiment d'aller taper les endroits qui m'emmerdaient, quoi. Salut Wari! Vais reprendre ma petite guitare, moi. Salut Lionel, salut MC. Ouais, j'ai vu le Blue Cat Audio Collector. J'ai pas compris tout ce que ça faisait. J'ai regardé un peu une vidéo, j'ai pas compris tout ce que ça faisait, mais ça a l'air d'être bien. Voilà, donc pareil, c'est un plug où j'ai noté, mais j'ai pas encore eu le temps de regarder. Et non, Daryl, j'ai toujours pas été écouter les procs de Lancaster. Ça fait partie aussi des trucs que je me suis dit qu'il fallait que j'aille écouter, voir un peu comment tout ce qu'il avait fait. Donc non, non, j'ai toujours pas écouté les procs de Lancaster, mais il faut que j'y aille. Et je sais toujours pas quand est-ce que sort le prochain Muse. Donc je voulais voir ça. Que penses-tu de FabFilter? Eh bien, écoute. Comme ça, j'en pense que du bien, mais j'en ai pas un. Voilà, je n'ai pas un. Salut Julien, ça va? J'ai pas, j'en ai pas. C'est des super plugs. Je pense que à terme, je vais me prendre au moins la ProQ, parce que j'irai en plus dans le cadre des cours que je donne. Tout le monde, enfin, il y a beaucoup, beaucoup de longs. Donc voilà, c'est.
Ça fait partie, je pense, des EQ un peu à avoir. Donc, je pense que je la prendrai. Il y a le Saturn, visiblement, qui est super bien. Le truc de disto. Le limiteur aussi, certains l'utilisent. Moi, je ne l'ai pas encore testé, mais bon, j'ai testé pas mal de limiteurs et je reste vraiment fidèle au Vice de chez Softube. Voilà. Mais FabFilter fait d'excellents plugins. Là-dessus, il n'y a rien à dire. Mais j'en ai pas un. Voilà. Moi, je travaille sans. Parce que toujours, je répète, c'est dans l'idée, c'est que je ne veux pas avoir 25 EQ de tel type. J'ai mes EQ avec lesquels j'ai l'habitude de bosser. Et puis voilà quoi. Donc voilà, sur FabFilter, je n'ai pas encore mis le porte-monnaie dans FabFilter. Et je trouve que, comme dit Nico, les EQ dynamiques, c'est vraiment quelque chose de vraiment bien parce que ça permet vraiment de corriger et de pas avoir le son de la compression, mais vraiment d'avoir une EQ qui va être dynamique. Et je trouve que c'est vraiment le point fort de ça. Et visiblement, la FabFilter, son EQ dynamique est vraiment un cran, voire deux ou trois crans au-dessus de la fréquence EQ qu'il y a dans Cubase, quoi. Monsieur Boulanger, bonjour. Merci à toi, ma poule. Lionel, que penses-tu du compresseur SD64 de SKNOT, copie du Shadow de chez Wave? Alors, pas de chez Wave, copie du Shadow Hill. Alors, le SDC64 de SKNOT, je l'avais. Voilà, je l'ai acheté, je ne sais plus combien à l'époque. J'en pense sincèrement, SKNOT, j'ai acheté... les channel strips au début, j'ai acheté plein de trucs parce que toujours c'était l'idée, c'était un éditeur, un petit éditeur. Je trouvais qu'il était, en tout cas, il avait envie d'être novateur dans des trucs. Donc j'ai acheté les channel strips, ça marchait pas bien. Le mec répondait pas souvent aux mails. J'ai acheté comme j'avais pas le budget, je voulais pas mettre 300 euros dans le Shadow Hill qui était sorti en premier chez Universal Audio. J'ai acheté celui de SKNOT en me disant, bon, ben voilà, on va voir. Sincèrement, ça ne marchait pas terrible. Voilà. Donc, je les ai dégagés. Je ne les ai jamais réinstallés, voilà, sur mes bécanes. C'est des plugins que je n'utilise pas, qui ne sont pas forcément bien faits. Donc je te dirais, SKNOT, voilà. C'est comme quelqu'un a posté sur les libérateurs de musique aujourd'hui. C'est Bernie sur vous connaissez Hornet, les plugins Hornet. Voilà, c'est pareil, les EQ compression, pas ça grandiose. Par contre, ils ont quelques utilitaires qui sont malins, qui sont bien faits, qui valent 15 balles ou 20 balles. Donc, c'est pas mal fait. Par contre, les plugins sont bien codés, puisqu'il n'y a vraiment pas de problème d'installation. Il n'y a pas de problème de ça plante pas, ça fait pas planter les sessions. Et puis, donc, ils ont des utilitaires qui sont malins. Donc, Hornet, c'est plutôt pas mal, quoi. Faut-il faire confiance à ses EQ, à ses oreilles pour les EQ? Ou Harry, à quoi veux-tu faire confiance si tu ne fais pas confiance à tes oreilles, notamment en termes d'EQ, notamment en termes de... compression, eh bien, en fait, tu vas avoir des gros problèmes pour mixer ou pour travailler. Donc, tes oreilles sont vraiment le meilleur, ton meilleur outil. Et bien entendu, il faut les éduquer. Voilà, c'est ce que j'explique moi dans les formations apprendre, comprendre, entendre. Donc, c'est vraiment apprendre les EQ, les compressions, les reverb delay, comprendre comment ça marche pour au final les entendre. Donc, oui, c'est un travail, c'est un exercice. C'est comme faire des gammes, c'est comme tout ça, voilà, c'est des travaux que tu dois faire régulièrement pour entendre les différences entre une SSL, entre une NIV, entre un compresseur en 76 et un LA2A, entre un Shadow Hill et un compresseur SSL de Mixbus. Voilà, tout ça, c'est des choses, et c'est pour ça que moi, je teste pas tous les plugins, parce que les plugins que j'incorpore, les nouveaux que je rentre dans ma tempête, c'est les plugins que j'entends.
Parce que je les ai testés. Et à ce moment-là, oui, je les rentre dans mes templates et je les utilise. Ce qui est le cas de nos haches. Voilà, comme j'expliquais, j'avais testé plein de nives. J'arrivais pas à bosser avec, donc j'avais aucun intérêt de les mettre dans mes templates. Et puis quand j'ai testé les Noise H, j'étais surpris parce que tout de suite c'était musical à mon oreille. Tout de suite j'ai compris comment ça marchait. Et pour des nives, voilà, je trouvais qu'elles sonnaient vraiment comme le caractère des nives que j'entendais sur mes albums. Et alors que les autres, j'arrivais pas, enfin je trouvais que ça marchait pas. Donc tes oreilles sont ton meilleur allié et il y a que ça qui va te permettre de pouvoir avancer, mais il faut les éduquer et ça se travaille quoi. J'ai toujours pas essayé la Split EQ, Eric. C'est pareil, j'ai peur de l'essayer parce que j'ai peur de l'acheter. Donc voilà. Un plugin d'instrument classique complet. Sincèrement, je vais pas être d'un super conseil parce que moi j'utilise la suite, comment ça s'appelle, Absolute de chez Steinberg. Voilà, j'ai fait le choix d'acheter la suite absolue de Steinberg pour que pour pas avoir des problèmes d'incompatibilité avec Cubase et tout ça. Bon, bref, donc j'ai tout pris chez Steinberg et j'utilise les instruments classiques de chez de la suite. Il y en a plusieurs. Il y a là, j'ai pas acheté la dernière, faut que je la mette à jour parce qu'ils ont encore ajouté des instruments classiques qui sont visiblement pas mal. Alors, moi, je fais des trucs assez simples en arrangement, on va dire classique avec des violons et tout ça. Maintenant, je pense que oui. Chez East West, chez Native Instruments, tout ça, t'as des, je vais éternuer, pardon, t'as des, comment ça s'appelle, t'as des banques de sons qui sont peut-être plus développées. En tout cas, moi, ce qu'il y a sur l'Absolute chez Steinberg, je trouve que ça marche très très bien, les sons sont super bien et ça me suffit amplement. Oui, le Frequency fait le taf, Darry, je suis d'accord avec toi, c'est un bon plugin, un bon stock plugin qui a l'intérêt d'avoir sur chaque bande, tu peux vraiment soit la mettre en gauche-droite, en mid-side et avoir de la dynamique. Donc ça, c'est le gros point fort, je trouve. Pardon. C'est le gros point fort de la Frequency. Mais, et puis parce qu'elle est gratuite, elle avait Cubase. Mais par contre, bon, visiblement, je pense qu'elle n'est pas au même niveau que la FabFilter. Mais moi, sincèrement, je l'utilise notamment pour DSC, la Frequency. Je crois que c'est la seule utilisation que j'ai avec la Frequency. Mais, ou alors quand j'ai vraiment besoin de faire un truc chirurgical, donc pouvoir accéder au mid-side, LR, enfin voilà, ce genre de truc. Donc là, pour le coup, je vais l'utiliser parce que je trouve que les matrices sont plutôt bien faites. Et voilà. Voilà, j'utilise quand j'ai besoin d'utiliser une EQ de ce type-là, ben j'utilise moi la REQ de chez Eosis, qui je trouve un son de folie, vraiment en termes de. C'est, je trouve que c'est une EQ numérique qui répond comme une EQ analogique, et je l'utilise en mix, en mastering. Enfin, voilà, c'est mon EQ préféré, la REQ de chez Eosis, que vous trouvez aussi dans le pack de Sled Digital. Salut DJ de la Suisse, welcome. Non, j'ai jamais testé Reason. J'ai bossé il y a très longtemps. En fait, ça fait 15 ans que je suis sur Cubase. Donc voilà. Donc mes essais ont 15 ans où j'avais bossé sur Pro Tools. Alors ça m'arrive de bosser sur Pro Tools quand je vais dans un autre studio, mais voilà. Il y avait ça, il y a 15 ans je bossais sur Logic Pro et Logic Pro en fait est passé a été racheté il y a 15 ans par, enfin il y a maintenant plus de 15 ans était racheté par Apple, donc en fait ils ont supprimé les licences compatibles PC, et donc je me suis retrouvé comme un con parce que moi je quittais Apple pour passer sur PC, et donc je suis passé sur Cubase, le SX. Je suis resté 2-3 ans sur Cubase SX craqué, et puis après j'ai acheté Cubase, je crois que sur la version 6. Et donc, voilà. Donc, Reason, je ne connais pas. Je pense que si je devais changer, à chaque fois que je dis ça, le Do qui me séduit le plus après Cubase, c'est Studio One. Je pense que je passerai sur Studio One. Voilà. Mais,
voilà, j'attends quand même vraiment la version 12 de Cubase, qui j'espère va être vraiment forte. En tout cas, voilà, j'ai fait une vidéo là-dessus sur les, en tout cas sur des recommandations, et on a fait ça avec Pao Juma de la chaîne MAO Maker, Music Maker. Voilà, je vous recommande d'aller voir sa chaîne. Et donc, non, Reason, je connais pas. Alors, réglage Q3 n'est pas pour tout de même en transparent, je trouve. Quelle est l'impulse response favorite pour un son Marshall? Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Alors, l'impulse responses pour un son Marshall. Perso, j'aime bien la. La On Hammer, et je vais te dire laquelle j'aime bien. Je crois que c'est une vieille On Hammer. C'est la Impulse. C'est laquelle? Alors, il y en a une que j'aime bien, c'est la 412 GNR. Voilà, la 412 GNR. Et puis, il y a la Lynch qui est pas mal non plus. Mais sincèrement, aujourd'hui, les IR qui m'ont mis une baffe, c'est celle de Borgen Digital, quoi. Voilà. Je trouve que c'est vraiment... avant, même sur les Tone Hammer, vous mettez l'impulse. Après, vous êtes obligé de mettre une EQ, corriger des machins, des trucs. Vous mettez les Borgen, bam, ça sonne, il n'y a quasiment rien à faire derrière. Moi, je remets juste une SSL, juste histoire d'aller retoucher 2-3 fréquences dont j'ai besoin. Mais sincèrement, je trouve... Là, oh, il y a une petite bête dans ma maison. Je trouve que les Borgen, aujourd'hui, avec les Two Nuts, les Torpedos, Wall of Sound sont pour moi aujourd'hui, en tout cas celle que j'ai essayé, c'est ça quoi. Alors, Daryl, yes, quand tu fais les réglages par rapport à la procu. Ok, Lionel, désolé, sur une voix, le DSR, tu le places où? En fin de chaîne, moi, en fin de chaîne, je mets un V. EQ3 de Wave. Alors, je ne connais pas le VQ3 de Wave, mais excellente question, Lionel. Je vous remercie de me l'avoir posé. En gros, je mets bien. Alors, je démarre toujours avec une SSL, Brainworks. Voilà, j'équalise, je compresse, je filtre. Après, bien souvent, je mets un DSR si j'ai besoin. Parce que, sincèrement, j'en mets pas tout le temps ou souvent. C'est-à-dire que moi, en tout cas, les prises voix que je fais avec mon SM7, la manière dont je fais les prises voix, je mets quasiment jamais de DSR derrière. Je mets ensuite, voilà, donc sur ma tranche, je mets donc SSL, DSR. Bien souvent, j'utilise de Sibilance The Wave, que je trouve pas mal. Ou j'utilise dans la mix console, dans la chain strip de Cubase, pardon. J'utilise dans la channel strip, j'utilise le DSR standard. Je mets le programme et puis je tripote un peu le truc. Enfin voilà, donc je le mets assez bas pour qu'il vienne juste un petit peu nettoyer. Mais, et si vraiment, comme je le disais tout à l'heure, j'ai un vrai problème maintenant de S en fonction du micro, je prends la fréquence, je balaye en solo pour trouver la fréquence qui m'embête. Et je fais une EQ dynamique dessus pour vraiment venir la taper. Et bien souvent, voilà, ça me suffit. Donc, je ne suis pas du tout fan des DSR parce que je trouve que ça a tendance, c'est des compresseurs, donc ça a tendance à bouffer de la dynamique. Donc, je préfère les EQ dynamiques. Mais par contre, ça m'est arrivé des fois de mixer des pistes qui étaient tellement dégueulasses que j'avais deux DSR. Dans ce cas-là, quand vraiment j'ai un gros souci, j'utilise le DSR de Eosis, pareil, qui est un compresseur qui est un peu lourd en termes de ressources, mais qui prend. On peut faire vraiment pas mal de trucs. Et j'utilise ça.
Mais c'est vrai que le Sibilance de Wave est plutôt pas mal. Sinon, à 90%, j'utilise le DSR de Cubase, le stock plugin. Voilà, ça me fait la blague. Et si jamais, je le dis, j'ai vraiment besoin d'aller retirer un truc assez précis, j'utilise le Frequency en mode dynamique. Est-ce que l'on peut jouer sur le mid-side avec une piste mono? Eh bien non. Eh bien non. Une piste mono est une piste mono. Donc, tu n'as pas la possibilité de dédoubler ta matrice et d'avoir un mid-side. Donc, absolument pas, mais bonne question quand même. Entièrement d'accord, mais j'utilise des pistes moins importantes dans le mix parfois. Ce sont des fixes pour nettoyer les reverse en linéaire. Alors, attends. Daryl me répond sur un truc. Dans, fait bien le taf, ouais. Ok. J'essaye de faire des tests avec le MSD, mais je n'y arrive pas. Le MSED, je ne sais pas ce que c'est, tout ce qui du. Comme ça, ça ne me dit rien. Vous emballez. Je suis un peu lent ce soir, je suis désolé. Alors, je me suis abonné à Sled par un ami. Aucun regret, j'adore la reverb. Ouais, bien sûr. Énormissime, Alex, bien entendu. Il y a ça. Va tester la REQ si tu as l'abonnement. La REQ est la meilleure EQ qui existe sur le marché entre le réglage de fire, water, les pentes de trucs. Enfin, tout a été réglé à l'oreille. Enfin, tout a été accordé à l'oreille. Et sincèrement, elle sonne la mort. C'est. Je pense que c'est le plugin dont je ne peux pas me passer. Voilà. S'il y en a un, si tu me dis tu gardes un plugin. Bon, allez, on va dire deux. La SSL 4000E et la REQ. Et avec ça, je me sens en confiance, entre guillemets, à partir de n'importe quel dos, avec n'importe quel plugin qui reste dans le dos, à mixer et à me balancer. Il me faut vraiment la SSL 4000E et la REQ. C'est vraiment mes deux plugins dont je peux vraiment pas me passer. Quoi. J'ai testé un mix cette semaine chez un pote. C'est sûr que tu te sers une fois du split EQ. La séparation tonale et transient, c'est magique sur une voix et même pour tout le reste. Je crois aussi. Donc, j'ai vraiment peur, Eric, d'essayer cet EQ parce que j'ai regardé une vidéo et ça, je trouve vraiment que l'idée est génialissime et que vraiment, on peut faire plein de choses avec. Le Cubase 12, c'est pour quand? Je ne sais pas. Je n'aurai pas l'info, les amis. Steinberg France ne me donnera pas l'info. C'est secret défense. Voilà, je ne fais pas partie des happy few qui peuvent faire ça. Je me suis proposé d'être testeur. Bon, on m'a pas retenu. Voilà, mais voilà, je ne sais pas. Que les déplacements des pistes dans la console seraient un plus significatif. Je suis entièrement d'accord avec toi. Toskidus, ça serait super bien. Loda Arène, bonsoir. Studio 155 est excellent. Un dos qui monte, qui monte, qui monte. Je crois, j'ai vu en effet les nouveautés qu'il y avait dans Studio One. Et Studio One a toujours été, c'est aussi pour ça que ça fait partie des dos sur lesquels, si je devais laisser Cubase, je pense que je passerais sur Studio One, parce qu'ils ont toujours été en avance sur des fonctions qui après ont été copiées dans les autres dos. Donc, c'est vraiment un point super, super important. Capzilla de chez GGD, mortel, j'ai pas testé. Tu veux venir avec nous? Allez, viens, maman. Oh là là, ça, c'est la grosse fatigue, là, quelle heure il est? Oh, bah attends, c'est pas, on n'a pas fini la discussion avec les copains. Tu peux attendre encore un peu avant de manger? Allez, alors, question, je voudrais m'acheter un micro pour enregistrer une guitare acoustique. Que me conseilleriez-vous? Alors déjà, tu peux me tutoyer. Ce que je te conseille pour une guitare acoustique, c'est ce que j'utilise, c'est les... alors attends, j'ai un trou de mémoire. C'est les Lewitt 040. Donc, ce sont deux petits micros condensateurs à petite membrane. OK? C'est... voilà, c'est les principes de... Ah bah tout à l'heure mon grand, c'était sympa de venir nous voir. À tout à l'heure. Ouais, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Et donc les Wick, donc c'est les deux petits micros. Est-ce que je les ai là? Non, je les ai pas là. Attends. Ah,
Voilà, je les ai là. Mais alors, peut-être qu'ils sont... Je ne sais pas s'ils sont là. Si, si, ils sont dans la boîte. Voilà, c'est des petits micros à condensateur, une petite membrane, voilà, tu vois, avec les petits clips, quoi, merde. Les pinces, voilà. Je l'ai... Alors, avant, j'avais des... Excusez-moi, j'ai un gros coup de barre. J'avais des Neumann. Excusez-moi pour le trou de mémoire. Le Neumann 184, donc très typé, très bien. Et j'avais pas les moyens de racheter des Neumann 184. Parce que ça vaut 1500 balles, j'ai acheté ça, ça vaut 180 balles. Et sincèrement, ça marche super bien. J'ai fait des sax avec Eric ici présent, j'ai fait des overhead avec ça, j'ai fait des guitares acoustiques. C'est des micros ultra précis, ils valent 180 balles la paire. Et sincèrement, je peux pas te recommander mieux, en tout cas de ce que je connais. J'en suis très content. Et en général, les micros, les 8 sont des très bons micros et fonctionnent très bien. Donc, j'ai pas encore testé toute leur gamme de produits, mais c'est super bien. Donc, voilà, Loden, je te conseille ça. Alors, Toskidus, quel budget je sais pas pour quel budget. Ok, bon, on répète avec mon groupe, concert, jeudi. Bonne fin de journée à tous. Salut, bonne répète, bon concert. Daryl, et à très bientôt. Alexandre. Alors, en début de chaîne, j'ai l'impression que le DSR est plus agressif, surtout avant une grosse compression. Bah, en fait, oui, puisqu'en fait, le compresseur est une compression. Donc, plus tu vas compresser et tu vas rajouter une compression par-dessus. Donc, voilà. Après, hein, c'est vraiment en termes de goût. Moi, je sais que je l'utilise donc après la SSL, mais la SSL est un compresseur type VCA, donc sont des compresseurs assez doux. Donc après, c'est pour ça que j'aime bien la SSL, parce qu'il y a ce compresseur type VCA, et donc ensuite, tu peux recompresser ce dont tu as besoin, ou ce qui t'embête, quoi. Donc voilà. Moi, mon dessert, c'est le SPL de Plugin Alliance, ce qui pareil, il est très très bien aussi. Toskidus, le MSD est un outil de Vox & Go. Ah oui, qui gère le mid-side, il est gratuit, mais comme tu as répondu précédemment, ça ne marche pas sur une piste mono. Voilà. Mon dessert préféré, c'est le Fab Filter. Yes. Sur Cubase, pour enregistrer ma guitare, j'utilise une piste stéréo avec une entrée ligne mono et en plugin Amplitube qui lui travaille en stéréo. Ouais, alors, en fait, Lionel, moi, ce que je te recommande, c'est donc d'avoir une entrée mono pour ta DI. Tu enregistres ta guitare sur une piste mono, ok, tu fais tous tes trucs. Et ensuite, quand tu as besoin, quand ta piste est enregistrée et que tu as fini ton montage et qu'elle est bonne, dans ce cas-là, tu la copies sur une stéréo dans laquelle tu mets tes effets de stéréo. Pourquoi ? Parce que si tu mets à l'enregistrement, en monitoring direct, ta notamment Amplitube en stéréo, tu peux avoir des problèmes de ressources. En fait, ça va te prendre beaucoup de ressources. Donc, il vaut mieux éviter à l'enregistrement d'avoir un plugin qui va taper dans les ressources de ton ordinateur parce que tu peux avoir des problèmes de craquement à l'enregistrement. Et voilà. Donc, mais après, si ça marche comme ça, bah, je te dirais, tant mieux, quoi. Mais moi, en tout cas, je sais que les pistes guitare, je les enregistre en mono, voilà, parce que pour l'enregistrement, je m'en fous quelque part du son. Et puis ensuite, je vais produire le son un peu mieux, et donc là je la passe en stéréo, quoi. Voilà, donc je t'ai répondu, Lionel. Julien Eco, un avis sur Ozone, Isotope, Ozone 9. Non, Julien, désolé, pas d'avis, puisque j'aime pas trop Isotope. Voilà, c'est des produits que j'utilise pas. J'aime pas trop les trucs un peu où il y a tout en même temps. Donc je les ai testés. Enfin, j'ai testé le Ozone 9 une fois. Si je dis pas de conneries, l'Ozone 9, c'est pour la chaîne mastering. Donc, j'ai pas aimé les tapes qu'il y avait dedans. J'ai pas aimé. Voilà, j'ai pas aimé. Et moi, ma chaîne de mastering, elle est vraiment composée de trucs séparés, vraiment avec des couleurs spécifiques.
avec des trucs que je veux avoir. Donc, le Ozone 9, le truc clé en main, je ne suis pas fan, quoi. Merci pour le conseil. Micro de rien. Les lignes audio sont très cool pour un peu plus de 100 €. C'est un Suédois qui fait ça. Ok. Je ne connaissais pas. C'était pour le micro-champ que tu... C'était tout ce qui dus pour le micro-champ que demandait une personne. Micro-champ. Non, bah, micro-champ, non. D'accord, ok, Lionel. Donc, tu ne mets pas amplitude, tu dois mettre un autre chose. Et puis, ok. Le Rode NT1, eh bien, pour les voix. Le Rode NT1, pour les voix, ce n'est pas franchement topissime, quoi. Moi, je déconseille toujours ce type de micro-là. J'ai fait un bibi blabla sur les micros que je vous recommande. Donc, allez le voir. Je l'ai sorti en octobre, novembre, quand j'ai fait ma formation enregistrer ses voix. Voilà. Donc, j'ai fait ça. Si ça vous intéresse, je vais en profiter, hein, parce que c'est, allez, c'est le moment, c'est comme on dit, c'est le moment promo. Si ça vous intéresse, j'ai, je fais 35% de remise sur la formation enregistrer ses voix. Voilà. Donc, vous avez un bibi blabla qui, je vous mets le lien dans le chat. Vous avez un bibi blabla que j'ai sorti en octobre-novembre, où je teste, parce que pour moi, le meilleur micro-voix, c'est le SM7. Maintenant, c'est un micro qui vaut pratiquement 400 €. Donc, pour des budgets, il y en a qui n'ont pas 400 € à mettre dans un budget. Donc, je déconseille les Rode NT1 et tous ces micros type large membrane. Voilà. Donc, j'ai fait un test de comparaison du SM7 avec d'autres micros moins chers. Donc, vous pouvez aller voir le bip bip blabla. Et puis, si ça vous intéresse d'en savoir beaucoup plus sur comment vraiment enregistrer ses voix et toutes les techniques, eh bien, j'ai fait une formation où je vous offre pendant une semaine, 35% de remise. Voilà. Franchement, Amplitude, c'est vraiment pas terrible. Je suis d'accord avec Cerber. Je trouve que Amplitude, c'est juste du caca. Et Amplitude, c'est pareil que Guitaric. Je suis entièrement d'accord aussi avec Cerber. Une fois de plus, alors, j'ai pas de traitement acoustique dans ma pièce. Comment faire pour un mix? As-tu une idée? Je n'ai pas de traitement acoustique dans ma pièce. Comment... Oui, j'ai une idée. Quand tu n'as pas de traitement acoustique, j'ai fait pareil un bibi blabla mixé au casque, où je vous explique un peu tous les plugins qui vous permettent de mixer au casque. Et moi, ce que je recommande, c'est le casque Holo. Voilà. Le casque Holo, qui est OK, qui vaut 400 €. Donc, c'est un investissement. Mais moi, je travaille avec ça. Ma pièce n'est pas traitée, puisque j'attends toujours mes autorisations pour finir de construire mon studio. Et donc, je travaille avec ça. Ça marche super bien. Je pense que de toute façon, quand je vais avoir le studio, je continuerai à travailler avec le casque Holo parce que c'est juste fantastique. Et puis voilà quoi. Donc, si tu prends l'investissement d'un casque Holo, ça vaut 400 €, mais des petites écoutes standard pour un home studio, c'est aussi 400 €. Sauf que tu as l'acoustique de ta pièce à gérer et tout ça. Et que faire une acoustique de pièce, ça coûte un budget et il faut savoir le faire. Alors que là, avec un casque Holo comme ça, eh bien, tu es peinard. Donc, si jamais ça t'intéressait, puisque je suis revendeur Holo aussi, voilà, donc je te mets un lien si tu veux aller jeter un œil. Voilà, 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 voilà. Toc. Je te mets un lien pour aller sur mon site et tu verras. Donc, tu as les mêmes garanties que si tu l'achetais directement chez Holo, sauf que là, tu passes par moi. Donc, c'est le même prix, sauf que moi, je touche une com, forcément. Hein, et je tiens à dire que je n'utilise pas le casque Holo parce que je touche une com, j'utilise le casque Holo parce que je ne pourrais pas m'en passer aujourd'hui. On parlait tout à l'heure, je ne sais plus qui me demandait au tout début du live, c'est quoi le budget pour faire un studio de mixage. Eh bien, le budget, c'est pour moi aujourd'hui, c'est de mixer au casque avec un casque comme ça, comme le casque Holo, parce que c'est vraiment super fiable. Nico, ici présent, Nico, alors ça, c'est normal. Enfin, c'est normal. J'ai eu le même problème. C'est le comment ça s'appelle ? C'est le câble. Donc, tu me renvoies un mail, Nico, et je vais les contacter. Et puis, on va t'envoyer un câble,
voilà, gratuit. Moi, j'ai eu un nouveau câble. Et en fait, sur les anciens, là, moi, le mien, il est en plastique. Tu vois là, et les, je sais pas si tu avais, moi, j'en avais un en ferraille. Eh bien, j'avais le même problème que toi. J'avais un faux contact, en fait. Donc, je pense qu'ils ont une mauvaise série. Et donc, je les ai contactés. Et ils m'ont renvoyé gratuitement un câble. Donc, tu m'envoies un mail pour pas que j'oublie. Et puis, je m'occupe demain de ça avec Holo pour que tu puisses recevoir chez toi rapidement un câble. Voilà, donc pour, voilà, pour mixer aujourd'hui, moi, je vous déconseille d'acheter des enceintes puisque vous êtes dépendant de l'acoustique de votre pièce. Donc ça, j'explique ça dans le bibi blabla que j'ai fait sur mixer au casque. Et sincèrement, le casque Holo est juste fantastique pour travailler. Moi, je fais mes mix, mes masters, et ça marche ultra bien. Bonsoir, j'aurais aimé avoir de l'aide pour enregistrer ma guitare sur PC. Eh bien, monsieur Aqua TV, oui, mais je peux pas t'aider, tu vois. Si tu veux, contacte-moi, je te laisse mon mail. Hop, je te laisse mon mail, tu m'envoies un mail. Et puis demain, on parle et puis on va voir un petit peu quelle est ta problématique. Je pense que les câbles sont nazes. Les câbles sont nazes. Les câbles, c'est toujours le Mouise. Je m'en doutais, je pensais que c'était les câbles aussi. Tu dois prendre une bonne carte son pour les guitares. En effet. Super, j'étais très inquiet, ça m'embêtait de l'envoyer en réparation, il est trop précieux. En fait, ce qu'il faut que tu fasses, Nico, avant qu'on en parle, c'est que est-ce que tu as changé les câbles, tu peux les retirer, et est-ce que tu as inversé pour voir si c'était si le problème changeait d'oreille, pour savoir si c'est pas un problème du speaker, en fait, de la partie, mais si c'est bien un problème de câble. Voilà, si tu t'inverses, et puis comme ça, tu me dis demain, et tu me renvoies un message. Et vraiment, tu m'envoies un message pour pas que j'oublie, parce que demain j'ai des enfants, je m'occupe des enfants, donc je vais pas être ultra performant. Et donc voilà. Alors, bon souci, les oreilles de moi qui saturent. Et non, toujours pas de news pour mon studio, Alex. Toujours pas de news. Enfin, si, j'ai reçu un commandé comme quoi. Suite à mon dépôt en mairie, il y avait, moi j'ai 4 mois. Ok. Ah, alors là, si ça change pas, Nico, c'est que il y a un autre souci. Bon, bah, je vais les contacter demain, Nico, et puis je vais voir avec eux comment ça se passe pour la réparation. Est-ce que ils envoient un kit? Parce qu'en fait, le casque est complètement démontable, donc il peut être vraiment simplement changé. Donc. Ah si, Nico, si tu changes, t'inverses ton gauche-droite en câble et que c'est toujours du même côté, c'est que c'est pas le câble, c'est que c'est ton oreille. Moi, Eric, moi je travaille directement avec Holo, je mets jamais de courbe. J'ai essayé et j'aime pas du tout. Moi, je trouve pas qu'il est trop bas par rapport à. Si tu veux, moi, j'écoute, tu vois, des titres
du commerce, quoi, des trucs que j'aime, quoi, mes références. Et moi, j'ai retrouvé les mêmes sensations d'écoute que sur mes écoutes en studio, tu vois. Donc, je trouve pas qu'il est, il est trop bas, quoi. Je corrige rien du tout. J'aime vraiment pas ce système de correction de casque. Ça me plaît pas du tout, quoi. Ah, Nico, en fait, si t'envoies un mix et que voilà, t'as ta panoramique et que tu retires les câbles et que tu les rebranches comme ça, si t'as toujours le même problème du même côté, c'est que c'est pas ton câble, c'est que c'est un problème de casque. Moi, en fait, quand je faisais ça, je tournais, j'avais l'autre oreille qui changeait, quoi. Donc, je savais que c'était le casque, c'était pas les écouteurs. Ouais, sincèrement, enfin bon, après, Eric. On entend tous différemment, mais moi, je sais, tu utilises le ID Sound de comment ça s'appelle. Enfin bon, on s'est compris, on sait de quoi on parle. Et moi, j'ai essayé, et la correction qu'il y a du holo dessus, je trouve que c'est insupportable, quoi. Ça rajoute de la phase. J'ai un problème de... Pardon, non, moi je. Alors, est-ce que tu as un lecteur CD ou est-ce que tu fais une extraction de CD audio? Alors, je fais. Alors, je me suis rendu compte en fait que sur ma nouvelle tour, j'ai pas de lecteur CD. Alors, j'en ai un sur l'ancienne, donc c'est pas grave. Et puis, j'ai mon portable où j'ai aussi un CD. Donc, ce week-end, j'ai renumérisé des vieux CD. Et donc, voilà, je suis passé. Ah oui, toi, tu utilises le Reaper, Eric. Donc, je suis passé là-dessus. Donc. Ouais, j'ai toujours un graveur de CD, quoi. Je suis d'accord avec toi, Alex. Je trouve que l'Infinity de Slate, c'est une super EQ. Ils ont fait plein de trucs géniaux avec cette EQ. Sauf que, comme des cons, je trouve qu'ils se sont arrêtés. Ils ont oublié de mettre une EQ dynamique dessus. Et vraiment. L'objectif, je pense, de Slate, c'était de se battre sur le terrain de la Pro EQ, ok? Puisqu'elle a le même design, elle a les mêmes concepts, elle est super bien faite, on clique, on passe en mid-side, on peut gérer en plus le mid-side, enfin vraiment, c'est une super EQ, sauf que, moi, je l'utilise jamais parce qu'il n'y a pas l'EQ dynamique dessus. Et si elle avait eu l'EQ dynamique, putain, je l'utiliserais sur plein de trucs. Mais elle ne l'a pas. Et je trouve que c'est dommage parce que j'ai pas compris l'intérêt au final de sortir. Ils avaient déjà dans leur truc, ils avaient la REQ qui était une superbe EQ. Pourquoi sortir une autre EQ numérique comme ça sans avoir l'autogain? Je crois qu'elle a pas l'autogain en général, sans avoir d'EQ dynamique. Enfin voilà, je trouve que c'est dommage, quoi. Donc je comprends pas. Voilà, donc je trouve que c'est un plug raté, l'Infinity, parce qu'elle avait tout pour être bien, le son est super bien, mais voilà, elle lui manque plein de trucs, quoi. Donc c'est dommage. Ouais, mais Alex, tu vois, je pense que si elle avait eu vraiment l'EQ dynamique, bah, ça aurait été vraiment le truc ultime, quoi. Et j'ai pas compris pourquoi ils ont pas rajouté ça, parce que je trouve que dans leur pack, l'Infinity EQ, bah, a fait le job, enfin, tu vois, elle s'est arrêtée en cours de route, alors que si elle avait juste l'EQ dynamique et l'autogain, c'était le truc ultime, en effet, avec la REQ. Et ça, bah voilà, là, on n'avait pas besoin d'aller vers une Pro-Q, quoi. Alors que là, on a besoin malgré tout d'avoir la Pro-Q parce qu'il n'y a pas l'EQ dynamique. Et quand on a touché à l'EQ dynamique, eh bien, c'est on ne peut pas s'en passer, quoi. Je vais fermer les portes.
Donc voilà, donc dommage pour la Infinity Q. Au final, je l'utilise jamais. Non, Cerber, je suis pas d'accord avec toi. Je suis pas d'accord avec toi. Il y a des VST qui marchent super bien. Et de façon, l'analogue, c'est pareil, quoi. C'est au contraire, c'est encore plus fini comme truc. Et je prends l'exemple là, de NozH avec les EQNIB. Je trouve qu'ils ont vraiment réussi à avoir le meilleur de l'analogique en plugin avec tous les avantages du numérique, la matrice MS, de pouvoir dégrouper aussi le gauche-droite, de pouvoir vraiment faire des EQ différentes sur gauche-droite. Donc ça, c'est super moderne. Il y a le nuance deviation. Et puis, vous avez en bas un in et un out pour vraiment gérer le gain staging au mieux. Je trouve que ce plugin-là, j'ai rarement vu un plugin aussi bien fait, aussi performant et aussi efficace, quoi. J'utilise des EQ, Alexandre, à phase linéaire. Oui. Donc, dans la... Qu'est-ce que tu fais, toi? Donc, dans le... dans la... Comment ça s'appelle? Dans les EQ de Steinberg, voilà, on peut les mettre en phase. Il y a la... Comment ça s'appelle? Une EQ que j'utilise beaucoup, que j'ai acheté il y a très, très longtemps. C'est la Épure de Flux. Voilà. Donc ça, c'est une EQ où on n'a pas de problème de phase. C'est l'EQ que j'utilise, moi, pour nettoyer. Quand j'ai besoin de faire des notches, quand j'ai besoin de faire vraiment des trucs assez précis, j'utilise l'épure. C'est vraiment une EQ que j'aime beaucoup, 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 beaucoup. Je l'utilise aussi en filtre, par endroit, parce que je trouve que vraiment, elle a un son bien. C'était une des premières EQ aussi avec une matrice mid-side. Donc, on peut la dégrouper. Donc, ça m'a permis rapidement d'utiliser le mid-side dans mes mix, et j'utilisais pas la flux épure parce qu'il y avait que celle-là qui faisait le mid-side, qui avait une matrice. Donc c'est vraiment et puis si je dis pas de conneries, je crois que la REQ elle est à phase linéaire, et puis voilà, je pense que aussi l'Infinity EQ et les autres le sont aussi. Donc voilà. Nico, t'es vraiment un goré. Alors, hop, j'ai pris le Shed UVI comme EQ. Ça a l'air d'être cool, mais pour les effets, je pense. Mais plus pour les effets. Je connais pas du tout le Shed UVI. Hop, je vais taper pour le mettre dans ma liste. Alors, c'est quoi? Cheb UVI, Cupling. Ok, je vais regarder ce que c'est. Je l'ai pas. Ouais, le KI, il est ouf, de chez ouf. Je vais tester peut-être semaine prochaine. Il faut que je teste le John Petrucci. J'ai pas encore eu le temps de me mettre dessus. Lequel plugin in parles-tu? Pas encore plongé dedans. Très bon achat, mortel le KI. Tu peux mettre en off le HP, Soldano. Et oui, ce sera mieux. Le KI, ça prendra une tuerie. Franchement, je suis amateur de gros gratins qui nouveau crâne qui tâche, et malheureusement, je sais pas, ça se fait de Noral. Et on, je sais pas ce qu'il te faut, Cerber. T'as essayé celui de Gojira, là? Tu peux pas avoir plus de gras, quoi. Le Kali est plus précis et plus propre.
Le Soldano, c'est vrai qu'il envoie. Moi, je l'avais testé, j'avais pas aimé. Je crois qu'il envoyait trop le pâté. C'était trop crade, en fait. Oui, j'ai testé le. Enfin, j'avais testé les Karzog, le Tro Iron, qui est un peu comme le Decapitator, si je dis pas de bêtises. Mais. UVI, d'accord. Ok, ok, ok. Couteau suisse, du filtrage nouvelle génération. Ok, merci, je vais aller voir ça. Ok. Ah, Eric, tu me poses la question, quel plugin je trouve super génial? C'est les Nose H. Toute la série, là, des EQ, ça, là. Voilà, ça, je trouve ça super génial. Plus je l'utilise et plus je m'éclate avec. Je trouve que c'est mortel, quoi. Vraiment, Eric, il faut que tu ailles les tester. J'ai fait un bibi blabla, je ne sais pas si tu l'avais vu. Mais ça marche. J'ai pas testé le Cory Wong non plus. Oh, j'ai un peu de retard hein, sur pas mal de choses. Mais bon, c'est aussi parce que j'ai du boulot. Donc, j'ai des mix en ce moment. J'ai pas mal de trucs. Des projets qui sont en train de se monter. Donc, ça me prend un peu de temps. Donc voilà. Donc, forcément, j'ai pas tout le temps que je veux pour faire des. Puis, j'ai mes cours. Je donne des cours. Donc, les formations, tout ça, ça finit par me prendre du temps, beaucoup. Donc, mais je ne me plains pas, c'est cool. Mais voilà. Après, je ne veux pas non plus, je le dis, je ne veux pas être dépendant des plugins, des dernières nouveautés, des trucs comme ça. Voilà. On peut faire très bien avec, au final, simple. Et je pense qu'un jour, je vais me lancer le défi de faire un bibi blabla, il sera peut-être long, mais avec que les plugins de Cubase, que des stock plugins. Et, ou peut-être je m'accorderai. Peut-être un ou deux plugins en plus, mais je verrai, en fait, le challenge me plaît bien, quoi. Ok, bon, bah, les amis, on a vu pas mal de choses. Hop. Mais je pense à ça, Alex. C'est que le Karzog True Iron, si c'est le bien plugin, je crois que j'avais testé, je sais plus. Je pense que ce soir j'ai une connexion de merde. Hein. Parce que même en filaire, ça pédale dans la choucroute. Voicing. Ok, Tron Iron. Ah oui, c'est le Transformer. Ok. Bah non, celui-là, je ne l'ai pas testé. Un de plus. Voilà. Je ne sais pas si je vais réussir à tous les tester. Mais. Je vais regarder. En fait, j'ai vraiment un problème quand je teste un plugin parce qu'en fait, faut que j'y passe du temps pour voir si vraiment ça m'intéresse. Et après, sur ce genre de trucs qui sont assez spécifiques en termes de transformer, voilà, sur les voicings, sur les trucs un peu différents. Aujourd'hui, dans ma manière de bosser, je trouve pas que c'est un si grand intérêt que ça. Voilà. Au final. Voilà. Ce qui m'intéresse maintenant, c'est l'image globale et les plugs que j'utilise donc font bien le job. Et je trouve qu'il y a un moment donné, mettre trop de préamp, trop de trucs comme ça, et bien en fait, ça rajoute plein de trucs et c'est pas forcément ce qui est utile pour le morceau. Donc voilà. Noah. Ouais, mon réseau, je pense qu'il a le Covid.
Noah, Behringer, génération, tu en penses quoi? Focusrite. Focusrite, Scarlett, troisième génération, ça marche très très bien. Donc la Behringer, je ne la connais pas, mais la Focusrite, Scarlett, ça marche super bien. Donc c'est vraiment le truc, je l'ai encore conseillé à une personne qui a pris donc, la formation Cubase avec la licence Cubase chez moi. Et donc elle démarre, elle fait ses voix et donc je lui ai conseillé la Scarlett, elle n'allait pas avoir de problème. Tu connais le plug Blue Cats Connector? Ouais, on en a parlé, Alparin, on en a parlé en tout début. Je l'ai pas, j'ai vu comment il fonctionnait, j'ai pas, je ne l'ai pas testé. Donc voilà, je sais qu'il existe, mais je ne l'ai pas testé. Je vais tester les bonnes tailles, promis. Focusrite, ne réfléchis pas. Alex a raison. Est-ce que tu vas entendre? C'est une vraie question. Bonne soirée, salut Baba Aurum. Bim bam boum. Ouais, mon réseau il a le Covid, ça fonctionne bien les plugs de Cubase. Ça va en travailler autrement. Voilà, moi en fait, il y a un truc voilà pour rebondir par rapport à ça au True Iron. J'utilise souvent dans Cubase. Il y a trois types de saturation dans la mix console quoi, dans la channel strip et voilà, j'utilise les tapes, le tube préamp machin, j'utilise celui de Cubase, je l'ouvre quand j'ai vraiment besoin de rajouter une couleur, quelque chose d'un peu plus vraiment aller jouer sur les harmoniques, j'utilise les trucs de Cubase et à 95% du temps j'ai mon truc. Donc voilà, j'essaye d'avoir une David n'est pas là, mais dans ma manière de travailler, de mixer, j'essaie d'aller à la simplicité et voilà, pour et de rajouter, comme j'ai conseillé la console 7 qui est bien quand on n'a pas, quand on démarre, c'est un peu gratos et qui marche très bien, qui donne vraiment l'impression d'avoir un truc analogique, et bien voilà, utilisez ça, mais rajoutez pas en plus derrière encore un autre type de préamp ou un machin ou un bidule, ça sert à rien. Dans les trucs que j'ai toujours pas testé dans Noz H, c'est que vous avez aussi, vous voyez, des préamps, donc les préamps, voilà, donc vous avez les deux types de préamps, je ne les ai pas testés encore ceux-là, parce que j'utilise pas trop les préamps en plug, donc voilà, j'essaie toujours moi d'avoir quelque chose d'assez pas linéaire, mais d'avoir quelque chose qui est pas trop, où il n'y a pas trop de saturation, voilà, donc je suis plus adepte des plugins comme ça, qui fonctionnent comme ça, quoi. Ok, allez, on va fermer la boutique. Il est 7h30, les amis. Salut, Alex. Salut, Alexandre. C'est vrai que Channel Strip 2 Cubase est vraiment cool. Mais moi, j'utilise sur plein de trucs, quoi. Sincèrement, c'est pour ça que je pense qu'aujourd'hui, avec la SSL 4000E et l'REQ et Cubase, je pense que je pourrais mixer un album sans problème. J'aurais sûrement pas le rendu que j'ai aujourd'hui, mais si j'avais que ça sous la main, bah, je ferais quelque chose de simple et je pense d'efficace. Voilà. Donc voilà. Les amis, je vous embrasse. Je vous souhaite merci encore à vous d'avoir été là pendant cette heure et demie à parler chiffon, à parler musique, à parler matos. Voilà. Un petit bip bip blabla express, je pense qu'il va arriver demain, si j'ai le temps de le monter. Voilà, un petit coup de gueule. C'est pas souvent, mais là, il y en a un petit. Eric, le Pultec, essaye le Pultec de chez Noz H. Il défonce absolument tous les autres Pultec que j'ai pu tester. Micro, Noah. Tu as le. Moi, je te recommande le. Pour conclure, je te recommande le AT2040. Le AT2020, je ne le connais pas, mais le AT2040, il marche très très bien. Super micro. Pour faire des voix. Voilà, c'est un micro comme le SM7 de podcast, mais il marche super bien. Salut Loda. Salut Eric, salut Alexandre, salut à tout le monde, je vous embrasse, merci encore
pour 7h30. Et puis, eh bien, à très bientôt. Ciao, ciao.